projet multicanal, c'est un cours qu'on a en troisième année avec Pierre-Antoine Signeret. Donc là, on a 3 jours d'enregistrement pour un conte qui s'appelle La jeune fille sans main. Et c'est un conte des frères Grimm qui a été mis en musique, donc là adapté par David Walter, et qui va être mis en scène par Emmanuel Cordoliani pour justement être joué à la suite. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'il y avait déjà une conception un peu de mise en scène, donc ça pouvait vraiment rentrer dans le cadre d'une production spatialisante. Et donc c'est l'occasion de tester plein de systèmes de spatialisation, et après optimiser quelques systèmes donc pour du 5.1, du binaural, et faire différents exports comme ça de systèmes spatialisants. Service audiovisuel du Conservatoire travaille depuis 3 ans sur un projet qui s'appelle BILI, Binaural Listening, avec de nombreux partenaires institutionnels comme l'IRCAM, Radio France, France Télévisions ou industriels comme Orange, entre autres. Le binaural, c'est une technique qui permet à travers une écoute au casque de resynthétiser les informations qu'on a au niveau des oreilles et qui viennent de l'interaction entre la tête et le champ acoustique, qui crée des types de filtrage que l'on utilise pour arriver à identifier des directions du son. On essaie de reproduire synthétiquement les informations qui vont nous permettre de recréer l'espace. La spatialisation pour les enfants, ça pourrait permettre de justement d'être un peu plus immergé dans l'histoire en elle-même. On a une écriture pour flûte, clarinette et clarinette basse, percussion, une harpiste, une chanteuse soprane, un violoncelle et une conteuse. Alors, on les a disposés en arc de cercle pour profiter au maximum de l'espace et de l'immersion. Et on a mis la harpe et le vibraphone chacun d'un côté pour vraiment avoir tous les effets qui sont propres à ces instruments à l'extérieur et qui permettent vraiment d'englober quand on écoute. Et la soprane au centre pour vraiment avoir juste toute la voix et la narration au centre. C'est un projet commun, du coup, on organise à 8, on se répartit les rôles, et il y a beaucoup de choses à englober. On est assez libre pour prévoir cette production, et on doit vraiment se concentrer sur tous les points différents qui vont en amont, justement pour récupérer le matériel, découper la partition et voir les effets qu'on va essayer d'utiliser et de mettre en place pendant l'enregistrement. Après, se répartir la direction artistique, le plateau, tout le montage, démontage, et ensuite post-production, mixage, toutes ces choses-là. À l'intérieur de ce projet de recherche BILI, on avait ce projet d'enregistrer le conte pour nous comme exemple pour le projet BILI, et ça nous a semblé intéressant de connecter cette expérience avec le cours de Pierre-Antoine Signeret, qui est donc professeur pour les techniques multicanales, et d'en faire une occasion de comparer les systèmes multicanaux qui servent aussi pour le binaural. Il y a un autre truc qu'il faudrait voir avec la chanteuse, si vous voulez la séparer un peu, c'est que les panneaux, à mon avis, ça ne la gênera pas trop d'avoir des panneaux comme ça, par exemple, qui la couperont du violoncelle et qui la couperont des percus. Et donc, ce qui peut être important pour les étudiants, c'est que ces techniques, même si elles ne sont pas encore mûres au point de vue de leurs applications commerciales, pourraient bien constituer la base de leur métier dans 10 ans, dans 15 ans, et que pour certains, constituer un acquis aussi important par rapport à ce qui se fait dans d'autres écoles. Parce que justement, le fait de travailler sur une expérimentation de quelque chose qui n'est pas encore mûr, c'est aussi prendre un pas d'avance sur ce qui pourrait être les solutions de demain.